Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette deuxième partie de notre voyage au pays de la folie en compagnie de Alice dans le jeu Madness Returns. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous la glisse juste ici dans le petit i qui est en train d'apparaître, donc n'hésitez pas à aller voir la première partie afin de ne pas être perdu dans celle-ci puisque nous allons reprendre notre aventure. Hein, comme je vous avais dit, le mois de mars est réservé au Challenge Wonderland et tout le mois de mars sur la chaîne ainsi que sur mon Instagram, je propose eh bien, de partir à la découverte d'Alice à travers les jeux, à travers les livres, à travers des tirages. Bref, vous allez manger Alice à toutes les sauces pendant le mois de mars. Allez, sans plus tarder, on y va et on continue notre partie. Donc nous nous étions arrêtés après le monde du chapelier, hein. Nous étions revenus à nous et donc on se réveillait dans Londres. Voilà une étrange nymphe. Par tous les saints, comment elle est arrivée là, celle-là? On en fait quoi? Mettons-la à la sirène mutilée pour la nuit. Dans l'eau? Va faire le beau pendant une bagarre. Que faites-vous donc? Ce que veut la nature. Je ne m'entends pas avec elle. Dégagez! Comme je vous l'ai expliqué, on ne sait pas si le Pays des Merveilles est le fruit de l'imagination d'Alice ou si elle existe réellement. On ne sait pas, on ne sait pas. On sait que Alice a passé 10 ans dans un hôpital psychiatrique, qu'elle est suivie par un psychiatre. Donc peut-être que tout ceci n'est que le fruit de sa folie. Ou alors peut-être que quelque chose en fait se trame dans la réalité. Nous allons le découvrir. Nous voici en attendant donc de retour... Avec le chat blanc. Donc regardez, on peut voir qu'il y a une thématique un peu aquatique. Avec la pluie, on nous a parlé de la sirène mutilée. Regardez ici, il y a des espèces de poissons enfermés dans la glace. Donc est-ce que ce serait des indices pour nous dire que le prochain niveau serait aquatique? Peut-être, peut-être. Allons voir cette sirène mutilée. Regardez cette magnifique sirène sur le côté. Je pense qu'on pourrait plus facilement intituler ça la sirène décharnée que véritablement mutilée. La sirène décomposée peut-être. Les poulettes comme toi aiment les gros durs, je parie. C'est aimable à vous, mais j'ai déjà rendez-vous avec un autre homme. Et ça, elle est raide celle-là, hein? Le docteur dit que j'ai une maladie vénérienne. Voilà, comme ça, Alice annonce la couleur. Hein. Alors, là, on a une affiche qui nous parle de East End. Est plein de spectacles, cracheurs de feu et êtres étranges. Cette représentation s'annonce sanglante et dramatique avec ses chansons sinistres. Et le public sera aussi repoussant que ses vedettes. Alors c'est marrant, on peut voir ici, regardez ce personnage très fort qui pourrait nous faire penser aux morses. Et on a le maître de cirque qui pourrait nous faire penser au chapelier. Donc est-ce que... Au charpentier. Donc est-ce que le prochain niveau mettrait en scène les fameuses huîtres avec le charpentier et le morse? Où est mon dû, misérable pickpocket? Mets-moi vite fait ces tirs au flanc sur le trottoir, sinon je te jure, c'est toi qui les remplaceras. C'est ça, maudit satyre. Tu ne tiendras pas jusque-là. J'obtiendrai ce que tes catins me doivent, sainte Nitouche. Tiens-le toi pour dire. Et dis-toi que je ne mouille pas ma culotte sous les menaces. Alice Liddell, je vais m'occuper de toi. Allez, amène ta tête d'ahurie par ici. Donc elle, comme vous l'aurez compris, c'est une prostituée qui est l'ancienne nourrice de Alice. Et nous avons ce monsieur qui vient de mourir devant nous. Tim disait qu'il mourrait de mal-être social. Cet être avait un nom, Jack Splater. Rip Jack. Allez, rentrons dans cette maison close. Tu peux commander ce que tu veux, mais tu n'auras pas de bière éventée ou du gain
Du jean. Du gain. Ouais. Du jean bas de gamme. Du gain. Si tu me payes pas, je te jure que je fais un tas de cendres de ce qui te sert de maison. Allez-vous-en. Elle n'a rien fait. Ouais, c'est bien mon problème. C'est immonde de frapper une femme et une jeune fille. Franchement, avec le hashtag balance ton porc, celui-là, on pourrait le balancer. Et voilà Alice qui débarque en plein froid. Donc encore une fois, je rappelle que ce let's play n'est pas vraiment un let's play dans le sens où je vais pas vous montrer tous les secrets. Il y a beaucoup de choses à récupérer dans Alice Madness Returns. On est vraiment là pour se faire plaisir, pour jouer détente. On avance tout simplement. Ce qu'on trouve sur notre chemin, on le récupère, mais on va pas faire plein de détours et passer du temps à tout fouiller, d'accord hein. On est là surtout pour explorer et comprendre l'histoire, le scénario. Regardez, on va prendre... Ouais, c'est bon, il m'attaque pas. On va prendre 2 minutes pour observer un peu le paysage. Chaque paysage est vraiment magnifique. Regardez, on est dans ce paysage glacial. On a la lune. Regardez la lune, je la trouve tellement stylée. Elle est posée comme ça dans le ciel. Elle est en train de fumer et la fumée qui s'échappe de sa cigarette fond les aurores boréales. Je trouve ça absolument magnifique. C'est tellement poétique. Et que peut-on voir là-bas? On peut voir eh bien, une bouteille avec un navire dans la bouteille. Est-ce que c'est notre destination? Peut-être. On a toujours un petit comité d'accueil hein, pour nous accueillir de façon très chaleureuse. Alors là, on peut voir une espèce de porte en glace avec une tête de cheval. Eh bien, utilisons notre arme tête de cheval. Effectivement, il y avait un petit secret. Regardez là, c'est horrible, on a cette chouette, ce hibou là qui est éventré, c'est horrible. Passons, passons. On entend renifler, il doit y avoir un groin dans le coin, il est là. Oui, on nous montre la bouteille, donc il y a de fortes chances pour que ce soit notre destination. Alors là, soyons vigilants parce que le Yeti, comme vous le voyez, il souffle. Enfin, il crache de l'air, il a une très mauvaise haleine. Hein. Et il faut faire en sorte de ne pas être pris dans son haleine parce que sinon, il nous propulse dans le vide. Et voilà la fameuse arme qu'on récupère que maintenant, le bâton tête de cheval. Qui est une arme très utile, une arme contendante.
Vous avez obtenu le cheval bâton. Détruisez fougueusement tous les obstacles. Ruez-vous sur vos adversaires. Succès garanti. Et nous avons le symbole de Mars. Nouvel ennemi qu'on n'avait pas vu, un Snark des glaces. Et comme vous en doutez, c'est avec le cheval bâton qu'on va pouvoir l'avoir. Le côté Alice, s'il te plaît. Non, elle a pas envie, elle a pas envie. Alice n'en fait qu'à sa tête. Et on a perdu un petit peu de vie quand même. Donc on va essayer de la récupérer. Ah, il y a j'entends renifler. Je crois que c'est en haut. En plus, il faut que je fasse attention. Alors, excusez-moi, on va faire un petit point. Non, ok, c'est pas là. Parce qu'il y a un niveau là sur le PC. Je vous l'ai dit, hein, sur la console, je l'ai poncé à 100%. Mais là, sur le PC, il y a un monde. Oh, les plaques, je les avais pas vues. Il y a un monde sur le PC où il me manque une salle Radula et deux petits souvenirs. Donc si je pouvais y trouver... Ben où est-ce qu'il est, notre groin? On l'a entendu pourtant. Où est-il? Il est là. Voilà, et ici il y a aussi un petit souvenir. Un souvenir du psychiatre. Quel drame. Le navire a coulé corps et âme. Il n'était pas fait pour naviguer sur les mers de glace. Nos ambitieux gouvernements mettent des vies humaines en danger en rivalisant d'expéditions polaires. Regardez après la lune, on a le soleil ici, qui est complètement congelé. Rien qu'à sa tête, de toute façon, on voit qu'il avait froid et puis on peut voir qu'il est entouré de glace. Donc très clairement ici, ce n'est pas le royaume du soleil, mais de la lune. Ah mais c'est comme ça qu'il faut traiter avec les ennemis. Alors rappelez-vous, je disais que le paysage avait énormément de secrets et que si on ne les voyait pas, il fallait faire appel à son pouvoir pour les révéler. Et bien regardez ce qui se passe lorsqu'on active notre pouvoir. On a ces blocs de glace qui disparaissent et qui révèlent une serrure. Et nous voilà encore plus proche du soleil, qui est toujours autant gelé. Pris Witless n'a jamais pu garder une bouteille de gin plus d'une heure. Elle serait capable de vendre jusqu'à son corps pour obtenir sa dose. On dit gain, madame, on dit pas gin. Je ne sais plus où il faut aller. Ah oui, là c'est un secret. Voilà. Je viens de récupérer une petite bouteille qui ne me sert à rien puisque je l'avais très certainement trouvée déjà. Attendez, où est-ce que je vais? C'est ici, voyons. On entend grogner.
Et il est là. Vous avez vu comme elle flotte de façon gracieuse. Et Alice s'envole là. Ah, mon dieu, nous voilà dans un passage qui est fort sympathique, puisque vous allez le voir, c'est un toboggan de glace, toboggan qu'on a déjà vu dans le premier épisode. Sauf que celui-ci est nettement plus difficile, hein. On n'avait pas d'obstacles sur le premier, et là on va avoir 2-3 obstacles. Et il n'est pas inconcevable que je puisse mourir. ce n'est pas inconcevable. Surtout les virages sont dangereux. On a pu... Alors, ah, j'ai géré là. J'ai bien rattrapé l'affaire. Attention au petit truc là, ça brûle les fesses. Et ça nous fait perdre de la vie, bien évidemment. Dangereux quand même hein, le toboggan. Il y a pas de rebord pour. C'est pas très sécuritaire hein, tout ça. C'est pas très safe. Qu'avons-nous là? Des ennemis, bien sûr. Je crois que je l'ai même pas tué. Là, on va se calmer, monsieur là. Et voilà. Ça, c'est du travail bien fait. Allez, on vérifie qu'on n'oublie rien et on y retourne. Ah, vous allez découvrir les salles Radula. Qu'est-ce que c'est? Donc à chaque fois, les salles Radula se présentent comme ceci, comme des gros coquillages. Certaines sont plus évidentes que d'autres. Et vous en avez d'autres, en revanche, qui sont très très bien cachées et qu'il faudra chercher. Je vais vous en montrer une, mais je vais vérifier. Ouais, ici, je les ai toutes trouvées dans cet univers. Donc dans les salles Radula, vous aurez soit une énigme qui vous sera proposée, soit ça va être une épreuve physique à réaliser, comme par exemple survivre à un assaut d'ennemis, survivre dans le temps, etc. etc. Oh Alice. Et pour la première, on a une énigme. Comment distinguer la reine d'un typhon? Comment distinguer la reine d'un typhon? Parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est plus cruelle, ou parce qu'ils sont semblables, mais le typhon n'y peut rien. Je vous laisse réfléchir. Rappelez-vous, hein, nous sommes dans le pays des merveilles, donc il n'y a pas forcément de logique à chercher. Et la réponse est, ils sont semblables tous les deux, sauf que le typhon n'y peut rien. Correct. Sous-entendu qu'un typhon est dévastateur, mais malheureusement, c'est sa nature, il n'y peut rien. Que la reine de cœur, elle, en revanche, est dévastatrice, mais elle pourrait changer ça si elle le voulait. Reine de cœur que nous rencontrerons peut-être, je ne sais pas. Il faudra rester et regarder toutes les futures vidéos pour le savoir. Pareil, encore une fois, là, ce que je vous propose, c'est une version quand même assez édulcorée du niveau parce qu'il y a plein de petits passages secrets, il y a plein de, justement, de secrets à révéler un peu partout. Mais comme je l'ai dit, on est là surtout pour se faire plaisir et suivre l'aventure, donc on s'en fiche. On s'en fiche de pas tout récupérer. Hop là! Oh, regardez ça, je saute et je me prends le champignon en même temps, impeccable.
Voilà, tiens. Alors attention à cette affaire qui bascule. De l'autre côté, Alice. De l'autre côté. J'adore en plus quand vous avez la caméra qui ne suit pas l'action. Bah où qu'il est passé? Bah il est déjà mort. Bon. Alice, t'abuses là. Petit passage secret avec notre pouvoir. Alors comme vous pouvez le voir, hein, ça, le pouvoir s'estompe. Donc il faut l'activer. Ça dure quelques secondes avant de se dissiper. Et ça peut être très dangereux parce que si vous êtes dans une situation délicate... Ah. On a pu voir un requin qui était plein d'arêtes. Donc attention aux plaques là qui coulent dès qu'on marche dessus. Et nous voilà arrivés à la bouteille avec le navire à l'intérieur. Et nous allons y rencontrer le capitaine de ce navire, à savoir la tortue vache. Tu devrais monter à bord, Alice. C'est cuit, c'est sûr. Quoi? Alors c'est fini? Bon, ce n'est pas fini pour tout le monde, mais pour nous aussi. Viens, monte là. Vous devriez être plus alerte. Oh non, nous sommes presque parents. Vous en avez soupé, amiral. Oh, j'ai une idée. Nous faisons pas de vagues et allons au spectacle du charpentier. Ce sera sûrement mieux. Il produit une pièce qui promet beaucoup. Allons voir. Plongez donc, amiral, ou nous servirons de souper. Alors pour l'anecdote, vous ne savez probablement, enfin pour ceux qui connaissent que Alice au Pays des Merveilles version Disney, il est fort probable que vous ne connaissiez pas le personnage de la tortue vache. Et il y a des petits jeux de mots que Alice dit quand elle dit qu'on va servir de souper. Parce qu'il faut savoir que la tortue vache, c'est un personnage de Alice au Pays des Merveilles que l'on retrouve dans les livres, en l'occurrence. Et pourquoi la tortue vache? Tout simplement parce qu'à l'époque, les personnes très riches, la bourgeoisie, pouvaient se faire des soupes de tortue. Mais vraiment, de la tortue, la tortue que vous connaissez, hein, voilà, des soupes de tortue. Et les pauvres n'avaient pas les moyens de bien se payer de la soupe de tortue, donc ils faisaient cette soupe, mais à la place, ils remplaçaient la tortue par du veau. Ce qui est très marrant, parce qu'aujourd'hui, quand on connaît le prix du veau, donc c'est quand même assez drôle. Mais voilà, et du coup, Lewis Carroll a fusionné, en fait, ce terme de tortue vache, et il en a fait un terme anglais qui n'est pas traductible, en fait, en français, mais qui reprend l'idée de, voilà, de cette chimère entre la tortue et la vache. Alors, donc, nous avons plongé dans l'océan et il va falloir esquiver maintenant les requins et les bombes. Et on va se faire un petit jeu façon 2D qui va être assez marrant. Ah, il va nous toucher.
C'est toucher couler le truc, quoi. Hein. C'est la guerre sous-marine, là. On s'en sort pas trop mal, on a perdu que 3 vies. On avait 10 vies, nous en reste 7. C'est pas mal. Donc notre périple malheureusement s'est terminé comme le Titanic. Ah, mon corps me fait mal de partout. Nous avons chuté trop vite. Mon bateau n'est plus qu'une épave, tout comme moi. Vous êtes resté jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, je ne vous ai pas connu marin. Dans mes souvenirs, vous étiez chef de garde des voies du miroir. Renvoyer des chemins de fer, sans prime, curieux dialogue social. Jamais de congé, jamais un seul retard. Nos voies divergent, serrons-nous la main. Comme si j'en avais une. Plus de voies du tout, je dirais. C'est une catastrophe. Je suis sans train. Des voies sans entrain, les choses à un train d'enfer. Mais tout ce que j'ignore ne m'attend pas. Voilà tout, mieux vaut ne pas savoir. N'en parlons plus, mieux vaut éviter certains sujets dans tous les sens du terme. Dans ce cas, connaissez-vous ce nouveau train en tant que complément? Tu ne respectes pas la souffrance des autres. Adresse donc tes questions et tes traits d'esprit au bon Bix. Désolé, amiral, vraiment. S'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous savez. Je sais juste que nous avons échappé à l'infection. Tu devrais t'estimer heureuse d'être arrivée ici. Je ne veux pas m'échapper. Je veux l'arrêter. Je dois l'arrêter pour guérir. Et pour guérir cet endroit. Absurde. Vraiment absurde. Tout n'est que diversion, divertissement, chaud d'hiver. En parlant d'hiver... Vous chauffiez. Oui, j'en viens au chaud. Voici un billet pour le spectacle du charpentier. Prends-le. Le charpentier. Ok, donc le chapelier nous avait dit d'aller voir l'amiral, hein, donc la tortue vache, pour qu'il puisse nous répondre concernant le train qu'on a vu, le train cathédrale. Mais il s'avère qu'il ne sait rien non plus, donc il faut qu'on aille voir le Bombix. Le Bombix qui est donc Absolem, hein, la chenille, vous savez, qui fume comme ça. Ah, hey, oh, hu. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Ici, on a un secret, donc pensez bien. À bien fouiller, hein, ça je le dis souvent, et puis en tant que Game Master je le disais souvent, fouiller. Donc si vous voulez découvrir tous les secrets du jeu, il faudra impérativement fouiller. Et on a ici un secret. Une coiffe tout à fait grotesque. Si je possédais un accessoire aussi informe, je le brûlerais. Détruisez toute trace de lui et niez son existence. Je veille à ma réputation. Souvenir d'un personnage que l'on n'a pas encore rencontré, on ne le connaît pas. En tout cas, pas encore. La proue du bateau. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes donc dans un univers marin. Je sais la question que vous vous posez. Comment Alice fait pour respirer sous l'océan? C'est le pays des merveilles. Ne cherchez pas à comprendre. Et là, on peut voir une espèce de petite ville qui est faite de bateaux. Qu'il est probable qu'il faille que nous allions là-bas. Attention aux méduses. On peut voir que celle-ci pique. Enfin, elle est rouge avec des piquants, donc on se doute qu'elle pique. Hein, on évite de toucher. Un groin. Alors attention à l'huître, hein. On peut voir qu'elle n'a pas l'air très commode et je vous confirme qu'elle n'est pas commode, donc on va faire attention. Hop, si elle pouvait nous péter le punaise, elle nous l'a pas pété, vite.
ça pique. Les dents d'huître, ça pique. Je ne savais pas que les huîtres avaient des dents d'ailleurs. Ah, il y avait des coffres là sur le côté, tant pis. Tant pis. De toute façon, dedans, il y a des dents. Personnellement, j'en ai pas l'utilité puisque mes armes sont déjà montées à fond, mais pour vous qui jouerez, récupérez bien toutes les dents, c'est très utile. Ah, autre souvenir. Une résurgence pour Alice. On va en apprendre plus sur son passé et ce qu'il s'est passé. J'étais la dernière dans la bibliothèque la nuit de l'incendie. La cheminée ne brûlait plus quand je suis allée me coucher avec Dina. Si j'ai mal éteint, je suis peut-être responsable de leur mort. Second souvenir important. Et Alice se demande si elle n'est pas responsable de la mort de ses parents. Donc elle essaye de chercher qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi la maison a brûlé. Et pour elle, elle est convaincue qu'il s'agit d'elle. Le temps nous dira si elle a raison ou non. Là, par exemple, je vais pas vous montrer, mais tout là, jusqu'au fond, il y a plein de secrets à aller récupérer. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, je vous laisserai aller fouiller ça. Ici, on a une serrure. Regardez, dès que je m'approche, hop, soit je m'approche et elle apparaît, soit j'utilise mon pouvoir et elle apparaît. Allons-y, allons-y, c'est sur notre chemin, donc on va aller récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Une bouteille. Ah, elle veut pas. Bon, ok. Vous entendez la musique là en fond? Musique qui est très douce, qui est très apaisante, qui met juste dans l'ambiance, qui prend pas la tête. Et nous voici donc dans la petite ville qu'on avait aperçue sur les hauteurs. Le fond de Cac. C'est pas le fond de Cal, c'est le fond de Cac. Que cache cet amas poli de ronds de pâte? Des horreurs, je parie. Eh bien, allons voir ça, s'il y a des horreurs dans le fond de Cac. Bonjour, monsieur. Ah, le groin, il est là, devant moi. Pareil, je vous laisserai fouiller la ville, parce que dans la ville, il y a tout un tas de choses. Et nous avons ici une statue du charpentier. J'allais encore dire le chapelier. Avec un symbole. Je crois que c'est le symbole d'Uranus. Ouais, il me semble que c'est le symbole d'Uranus. À vérifier encore une fois. Oui, donc je vous disais, vous irez fouiller là, à gauche, à droite, au fond, là-bas à droite. Hein, y a plein de choses, plein de secrets à découvrir. Nous, ça ne fait pas partie de l'aventure du scénario, donc on avance. Théâtre de la Morne Plaine. Bonjour madame.
Non, mais évitez de sourire, s'il vous plaît, parce que c'est... c'est pas du possible d'être vilain comme ça. Et là, normalement, nous allons avoir un nouvel ennemi. Un ennemi qui est absolument dégueulasse. Une ruine flottante. Alors le petit secret, il faut attendre que ces ennemis montrent leur visage pour leur tirer dessus. Sinon ça sert strictement à rien. Allez, tu nous montres ta tête là. Voilà. Ah mais il y en avait une autre. Allez, montre-nous ta face. Ta face de glace. Alors, faisons attention. Comme vous pouvez le voir, en activant nos pouvoirs, on peut voir au fond une petite plaque. Petite plaque violette. Hop, donc on essaye de se repérer par rapport au truc violet. Hop là, vous voyez, même si vous n'activez pas votre pouvoir, il y a toujours moyen de deviner un petit peu le contour du truc. Oui, j'ai pas pris les dents, je sais. Ici, oh là là, est-ce qu'on prend le risque encore une fois? Ah. Sont dangereuses ces huîtres ici. En même temps, hein, elles sont sans défense quand on les mange à Noël, donc ce n'est que justice qu'elles puissent nous manger aussi. Voilà. Théâtre de la morne plaine. Eh bien, allons-y gaiement. Pareil, ici, vous voyez, il y a un petit chemin qui part à gauche. On peut voir un groin là-bas qui flotte. Il y a aussi un petit secret. J'y vais pas. Ça m'intéresse pas. Ça me fait faire un détour. Je vous laisserai y aller. Où qu'il est? Où qu'il a disparu? Monsieur? Où êtes-vous? Ils s'en foutent de partout ici. Il n'y a pas une seule personne qui est saine d'esprit. Petite astuce, là, si vous retirez de la plaque, ça va refaire descendre l'espèce d'horloge, là. Donc, on met une petite chronobombe. On se dépêche. Et on va canarder ça. Il faut savoir que dans Alice Madness Returns, la difficulté est crescendo, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez changer d'univers, la difficulté va prendre forcément un grade au-dessus. Et ce niveau n'est pas spécialement difficile sur les ennemis, c'est plus difficile au niveau de la plateforme. Puisque vous allez le voir, il y a des trucs qui vont prendre la tête, hein, je vous le garantis. Hein, voilà. Nous voici donc au théâtre, joli petit théâtre marin. Et nous allons y faire la rencontre. Oh, mais que voit-on au fond, serait-ce un morse? Eh bien, allons voir ça. Ah, Alice! Émerveillé de vous revoir, ma chère. Votre arrivée tombe autant à point que la cuisson des poissons. Vraiment? Je ne le savais pas. Pas de soucis. Mon spectacle est sur le point d'éclore. Ne manque plus que les points sur les i ainsi qu'un traitement d'appoint. Je manque d'expérience, mais j'ai besoin de reconstruire... Faisons l'appoint. J'ai un tournevis comme neuf ou un beau marteau, si vous préférez. Un train envahit le pays des merveilles. Je cherche de l'aide pour l'arrêter ou le détruire.
Que de vexation, pour sûr. Nous traiterons cette monstruosité plus tard. Ce qui veut dire, je ne sais quand. Donc, occupons-nous en priorité des problèmes prioritaires. En raison d'une hystérie logistique, il nous faut rassembler les éléments du spectacle. Le script aurait besoin de liant. L'auteur est un peu trop imaginatif et ne sait pas quelle fin choisir. Puis, vous devrez recomposer la partition du spectacle. Et enfin, rassembler toutes nos stars. Un spectacle de bon goût, des danseuses à croquer. Bien, allez-y. L'empressement est précieux et il est aussi essentiel. Vous aimez bien vous donner en spectacle ? Pourquoi ne pas les rassembler vous-même ? L'impressario a des rendez-vous, des canards à lire, poissons à frire, mots à maudire, etc., etc. Prenez son script à l'auteur, et s'il est à la hauteur, nous gagnerons plus que l'auteur. Dois-je lui apporter de l'encre ? Voulez-vous ancrer son récit dans l'irréalité ? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Il s'agit d'un poule, par ailleurs. Il vit par là-bas. Tada ! Comme vous avez pu le voir, là, le charpentier a un rôle nettement plus important par rapport à Alice de Disney, où concrètement, le charpentier, on ne le voit pas beaucoup et il parle très peu, c'est surtout le morse. Et là, c'est l'inverse, on a un morse qui ne sert strictement à rien, hein, une espèce de gros tas comme ça qui dort sur la scène, par rapport au charpentier qui, lui, semble plus décidé. Alors, vous avez entendu le charpentier, il va falloir trouver donc un poulpe, hein, qui va nous diriger vers un scénario, recomposer la musique et enfin trouver les actrices du show. Et là, on a une petite serrure. Avec un souvenir. Si tu passais autant de temps à jouer qu'à rêver, tu serais le prochain Darius Milhaud ou Offenbach, enfin, comme tu veux. Souvenir de notre nourrice. Regardez un petit peu comme c'est beau ce couloir. Le chat. Tu es assez forte pour botter le... pour corriger le fondement de ces créatures. Eh bien, allons corriger le fondement de ces créatures. Et la prochaine fois qu'on me dira « Il est où cet objet ?» Je répondrai « Dans ton fondement !» Allez, c'est parti, allons affronter. Chair de crabe à canon. Oh punaise, je l'avais pas vu celui derrière. Et voilà, nous avons botté le fondement de ces créatures. Donc nous venons d'affronter Monsieur Krabs. Prochaine étape, Bob l'éponge. Ici, nous avons des têtes de Moai, de l'île de Pâques. On pourrait se demander d'ailleurs si on est vraiment au fond de l'océan ou si on est au fond d'un aquarium. Je me suis posé la question. Vous avez remarqué quand même que Alice n'est pas très grande depuis qu'on a commencé l'aventure. Elle est toujours plus petite que les personnages. Donc on peut se demander si elle ne souffre pas d'une certaine infériorité. Et que par conséquent, tout ce qui est en train de se dérouler finalement ne se déroule que dans quelque chose de très local. Donc ce qui veut dire que le pays des merveilles est
Encore une fois, peut-être quelque chose qui n'existe que dans son esprit. Ah, voici notre poulpe. C'est Cthulhu. Un brin d'urine et de mauvaise haleine. Telle est l'odeur du génie incompris, amatrice. Incompris comme un banquier irlandais. Le charpentier m'envoie. Pour ma part, le charpentier est un pusillanime, parcimonieux et tout petit joueur. Si vous le dites, il m'envoie chercher le script. Je veux... Vous n'aurez rien. Je veux un verre. Je n'en ai pas. Je voudrais noyer les critiques qui ont descendu mes pièces. Pas de chance. J'aimerais trouver l'amour. Je suis tout seul. Pour l'heure, je voudrais jouer à cache-cache. Trouvez-moi trois fois. Si vous êtes assez rapide, nous ferons un fait. On n'a que ça à faire, jouer à cache-cache. Le poulpe est un maître dans l'art du camouflage, mais il ne peut cacher ses mouvements. Peu de poulpes sont devenus de grands écrivains. Il ne manque pourtant pas d'encre. Information indispensable donnée par le chat, merci. Voilà, alors, c'est là ce que je vous disais en début de niveau. Que ce monde est chiant par rapport à toutes les plateformes. Il n'est pas difficile en termes d'ennemis, mais surtout au niveau des plateformes que c'est difficile. Oup là. On va attendre qu'elle redescende. Représentation unique, Totentaz, avec des fantabuleuses, avec les fantabuleuses sœurs huîtres. Ouais, je sais, c'est marqué fabuleuse, mais on est sur l'œil dans le noir, donc ce sera les fantabuleuses sœurs huîtres. Alors, il nous faut donc retrouver le poulpe. On a plusieurs bouteilles, et c'est facile, il suffit de voir dans laquelle il est caché. Voilà, il est là. Ah, c'est bien trop facile. Mais on peut s'amuser à casser toutes les bouteilles. Moi, je le fais tout le temps. Vous voulez qu'on casse toutes les bouteilles? Allez, on va casser toutes les bouteilles. On joue à cache-cache, alors j'ai envie de dire on a que ça à faire, hein, tant qu'on y est. Et comme ça, il n'y aura plus d'alcool à boire. Gnac, gnac, gnac. Je sauve son foie en faisant ça. Voilà, il boira de l'eau désormais. Rien à faire, les coffres, elle veut pas l'ouvrir au couteau. Ok, est-ce que c'est là qu'il faut que nous allions? Je me suis perdu. Attendez, je prends le temps de la réflexion. Non, c'est là-haut. Regardez, j'adore tous les bouteilles, les miroirs, le fond de l'océan, comme ça les détritus des hommes qui sont tombés au fond. Hop là! J'ai failli pas l'avoir là, la plaque. C'était quoi ce cri? Alors là, c'est vraiment la course. Regardez, en activant notre pouvoir, on peut voir qu'il y a la petite chronobombe. Hein, et ici, il y a la cible. Donc, ce qui veut dire que, voilà, il faut faire ça. Il faut mettre une chronobombe. Mais, regardez, on a une plaque ici. Donc, on met la chronobombe. On se dépêche. On essaye à peu près de viser la plaque. Et de vite tirer sur la cible. Voilà. Parce que si par malheur, vous avez vu, si par malheur la chronobombe explose avant que vous ayez mis la cible en vert, la cible redescend et il faut recommencer.
et ça peut rapidement prendre la tête. Pareil. Ici. Ah non, c'est pas encore. Non, c'est pas encore. C'est pas encore. Parce qu'il y a un passage où il faut enchaîner les cibles. Comme ça, c'est super, super chiant. Allez, rebelote, on va chercher le poulpe. Non, on va directement tout casser. Vous imaginez là, si les bouteilles que je suis en train de péter, c'est par exemple des Pomerol Petrus de 1987. Je suis peut-être en train de fracasser des bouteilles de vin qui ont des milliers d'euros. qui coûtent des milliers d'euros. Bah il est où? Oh il était même pas là-dedans, il était même pas dans une. Oh je crois qu'ils nous ont enfumé le poulpe. Bien. Il n'était pas là. Vous avez vu, petit trou de serrure. On va pas y aller. Si il faut y aller. C'est le secret, il est là. La bouteille là-bas. Voilà, vous prenez les plaques et vous allez chercher la bouteille. Et il faut passer par la serrure en manche. Il est là, le poulpe! Non, vous m'avez eu! Pour la dernière fois! Tiens, un coup de tatane. Il y en a une autre derrière. Alors. On va les laisser baisser, elle. Et hop! Et ah, ça pique! Voilà. Oula! J'ai cru qu'on allait pas y arriver. Ah, je crois que c'est là le passage chiant, non? Je m'en rappelle plus. Ouais, ça doit être quelque part par là. Donc, rebelote, on vérifie. D'accord, donc il y a. C'est tout droit. C'est tout droit, c'est tout droit. Non, c'est pas encore là. Ah non, c'est pas encore là. Ah, un souvenir. Les douloureux souvenirs du passé n'ont de force qu'à travers notre mémoire, Alice. Alors, c'est là le fameux passage que je vous lisais. Passage franchement chiant. Donc, faut commencer par lequel? Ok, on va commencer par lui. Alors, vite, 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 dépêchons-nous. En fait, j'ai fait ça pour aller chercher le secret là-bas. Non, je me souviens, il y en a plusieurs à activer. Il y a lui aussi qu'il faut activer, voilà, lui qui est de l'autre côté. Du coup, donc il faut aller partir courir de l'autre côté. Voilà. Et je crois qu'il y en a un dernier à activer. Il semble qu'il y en a trois.
C'est ça, il y en a bien trois. Vite, vite, cours, cours, Alice, cours, nage, flotte, fais quelque chose. Vite, vite, je vais pas la voir, je vais pas la voir, je vais pas la voir, je vais pas la voir. On était un chouille de pas la voir. Hein. C'est moi, j'ai cru voir un papillon. Il me semble avoir vu un papillon qui volait sur ma gauche. Ah mais c'est peut-être moi, je suis bête. Quand Alice sprint, regardez. Vous voyez, ça fait des papillons. C'est peut-être moi en fait. Et notre poulpe est là. Tiens. C'est dans le jeu, c'est le jeu. Bravo, vous êtes forte. Et oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allons dans ma bibliothèque, je tiens parole, comme vous. J'aime bien, il dit qu'on est pacifique, ça fait quand même trois fois qu'on lui frappe sur la tronche. Drôle de pacifisme, hein. Le charpentier m'a commandé une comédie musicale sur la mort. Pourquoi pas sur les vampires? Il veut du sens, la raison. Et le moins d'extravagance possible. Le Morse doit jouer l'exterminateur. Vous voyez? Je vais porter le script au théâtre. Ne vous en faites pas. Le charpentier vous a chargé de trouver des divas d'eau douce pour le chant. Cet homme manque clairement de flair. Certains poissons chantent. Voilà, donc on a le script. Maintenant, souvenez-vous, il faut la recomposer la partition. Oh punaise! Elle m'a fait peur, la limace. Je n'ai pas l'oreille musicale, mais vous jouez un peu faux. Que puis-je faire? Je ne m'entends pas. L'instrument est bougé. Je le vois bien. Pourquoi ne pas y remédier? Et risquer mes cordes vocales. Faites-le donc pour moi. Tout le monde a une bonne excuse pour ne rien faire. Exactement comme à l'asile. Allez, c'est parti. Ok, donc on peut voir ici les trompettes qui sont bloquées. Trop facile, vous m'avez pris pour qui? Oh, débutant. J'adore le système des tubes avec, qui conduit les notes de musique. Vous avez fait un travail honorable, mais un travail vraiment décent.
demanderai un peu plus d'implication. Je suis certain que vous me comprenez. Quelqu'un peut lui dire d'arrêter de chanter? Enfin, d'essayer de... Parce qu'il chante pas là, il miaule en fait. Non mais je vais pas être à côté, je t'explique. Alice, elle a pas compris le principe de fuir. Elle fuit, mais à côté de l'ennemi, t'sais. Allez, il nous en reste encore un. Et voilà, on a réussi. Ce n'est pas fort, contrairement à mes notes. Assez perdu de temps. Prenons des mesures. Je vais vous aider à prendre du bon air pour rester dans le ton. Alors, je vous explique. Ce petit jeu là, ce mini-jeu, il y a de fortes chances pour que je le passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la manette du PC, les touches de couleur ne correspondent pas en fait avec mes touches à moi. Sur la console, c'est parfaitement jouable, que ce soit Xbox ou PlayStation. Mais en revanche, sur PC, quand on joue avec manette, c'est quasiment infaisable. Donc, on va essayer et vous allez comprendre. Vous allez comprendre le principe que c'est pas du tout les mêmes touches. Voilà, vous voyez, je me suis trompé de... voilà. Parce que, en fait, le vert correspond au Y qui est jaune, vous voyez. Donc, c'est juste un jouable, donc on va faire éluder. Voilà. Mais si vous, vous jouez, je vous invite à le faire, c'est faisable. Bon, on a recomposé la partition, maintenant il va falloir aller chercher les stars du spectacle. Et on a un souvenir ici dans l'huître. Le feu ne les a pas rendus méconnaissables. La fumée tue, voyez-vous. Vous les rejoindrez un jour dans le caveau familial, j'imagine. Par ici, on a... C'est super bien caché. Mais là, vous voyez, on a une salle à Radula. Moi, voilà, elle ne m'intéresse pas. Je les ai toutes dans cet univers. Donc, si jamais vous la cherchez, elle se trouve ici. Et de deux, plus qu'une tâche. Les huîtres sont les vedettes de la fête. Réveillons-les toutes. Oui, allons réveiller les huîtres. Youhou! J'étais un peu trop enjoué, là. Oh, monsieur Krabs, tu vas te détendre là. Quelle violence!
J'étais en train de rêver. Ah oui, pour le spectacle, je suppose. Ah, j'ai toujours rêvé d'être une huître dans ma vie. Alors, les petites têtes de Mouaille. On vérifie toujours s'il n'y a pas de groin qui se cache, tout ça. Hein. On sait bien toujours à fouiller. Là aussi, cette zone, fouillez-la parce qu'il y a des serrures, il y a des secrets, il y a des choses. Moi, je vais aller droit au but, mais prenez le temps de fouiller. Des coffres ici. Ici il y a un groin qui... Alors lui il est bien caché hein. Lui j'ai mis un moment avant de le trouver. Lui il est bien caché. Oh, crotte! J'ai mal calculé mon saut. Oh non, faut tout que je recommence! Là en face, hop, il y a une serrure, des plaques et une serrure. Et je crois que ouais, il n'y a plus rien après ici. Nous voilà vers la seconde huître. Je vous le disais, on va se retrouver avec Bob l'éponge. On a affronté Monsieur Krabs. Maintenant, il nous demande de retrouver Patrick, l'étoile de mer. Je dis, prochaine étape, c'est Bob l'éponge. Et en vrai, j'ai même pas regardé si en plus il y avait des éponges dans ce niveau. Ça se trouve peut-être qu'il y en a. Il y en a peut-être une qui est marquée SpongeBob. Étoile des mers, mon cœur amoureux. À l'aide, Alice. L'affiche du spectacle en miettes. Si je ne la reconstitue pas, le charpentier me mangera. Parce qu'elle est naïve. Elle est mignonne. Tu finiras quand même dans un estomac. Ah, c'est horrible ce que je viens de dire. Alors, encore un mini-jeu. Le bon ordre des choses m'a souvent été mystérieux. Et à toi ? Donc, on en a un ici. Il me faut cette affiche. Oui, 3 secondes, respire, on arrive. L'autre est ici.
dans la petite serrure. Aidez-moi à recoller les morceaux. Respire. Ça a bien se passé. Calmez-vous, madame, ça a bien se passé. L'autre se trouve là. Ah ouais, là, il y a plein de Monsieur Krabs, là. Y a des... Ah ouais, non, mais il n'y a pas que eux aussi. C'est vrai. On va se détendre. On va se calmer, hein. On va se calmer. Voilà, voilà. Eh, ils sont agressifs dans ce pays, hein, je vais pas dire, mais... Et il nous en manque... Le spectacle va commencer. Il nous en manque une seule... qui se trouve là-bas, je crois. Si je ne dis point de bêtises. Non, c'est ça. Ah ouais, là c'est chaud, l'artichaut, parce que regardez, il y a des plaques qui sont ultra rapides. Donc du coup, faut vraiment se dépêcher. Et ici, il y a un groin aussi qui est caché. Voilà, il est là. Il y a un groin qui vole là, ici. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc pensez-y, hein, si vous le cherchez et qu'il vous en manque. Comment les assembler ? Alors, nouveau mini-jeu. Donc on a 24 coups pour remettre en place. Vous savez, c'est comme ces petits puzzles là où faire glisser les plaques comme ça. C'est le même principe. Bon, sauf que là, c'est assez simple. Plutôt retrouver notre public adoré au théâtre. Oui, c'est ça. Allons-y. Malheur, vous n'êtes pas producteur, mais un tueur. L'instigateur d'une entreprise criminelle. Ce lieu n'a pas d'alternative, Alice. J'ai fait le sale boulot. Oui, vous avez fureté, mis la main à la pâte. Et alors? Le public va se régaler. Et vous aurez les miettes. Inquiétez-vous plutôt de ces marins. Il est temps. Le temps? L'heure? L'heure d'en savoir long sur les bateaux et de manger les meilleurs accompagnements. Et l'heure de vous connaître. Quelle heure est-il? Arrête ça, le morse! Pour tout l'heure du monde, ne commence pas avec des malheurs ou je te cuis à la vapeur. Honte à vous, charpentier. Vous aviez promis. Mais je n'ai pas le choix. On ne fait pas toujours comme on voudrait. Vous devriez le savoir, à votre âge. Marin noyé. On en a déjà eu des marins noyés. Hein. Alors eux, ils sont assez chiants à avoir parce qu'il faut attendre le bon moment pour leur tirer dessus, se dire qu'ils sont invisibles. Et dès qu'ils sortent leur bombe, faut tirer dessus, ça va les désinvisibiliser. Et c'est là qu'on va pouvoir les canarder. «
Voilà, petite serrure qui donne accès à un secret. On n'y va pas, vous irez fouiller vous-même. Hein. Alors là, ça fait très Tim Burton. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour le coup, on est vraiment dans l'univers. Dans ma tâche, mon équipage. Ils peuvent sembler rudes, mais leurs âmes sont prisonniers. Libérez-les. Veulent-ils vraiment la paix? La paix des traits qu'ils n'ont plus. Morts, leurs esprits sont aussi tourmentés que vivants. Donc maintenant, il va falloir jouer aux exorcistes pour apaiser les esprits tourmentés des marins qui ont donc été tués par le charpentier. Parce que le charpentier ainsi que le mort sont des dictateurs hein, qui ont pris possession des fonds sous-marins et qui font régner un règne de terreur sur tout le fond des océans. Donc notre but est de les arrêter, peut-être ? En aurons-nous le pouvoir ? En voilà d'un. Non, revenez. Votre sauveuse, c'est moi. Donc là, il faut faire attention de bien avancer en même temps que l'hippocampe qui fait de la lumière. Parce que sinon, on perd de la vie dans les ténèbres. Sauf que l'hippocampe ne nous attend pas, il avance. Merci de m'avoir délivré. Merci beaucoup. Premier fantôme de libérer. Deuxième marin à libérer. Ah ouais, il y a eux aussi. Bien ignorante, je suis la réponse à vos prières. Allez, c'est parti.
Ouais, il y a une bouteille dans l'huître, je sais. Et je suis dans les ténèbres. Merci de m'avoir rendu au navire. Allez, deuxième fantôme de libérer. Il ne nous reste plus qu'un seul. Dépêchez-vous, Alice. Oui, oui, ah, j'arrive, j'arrive. Ah bah voilà. À l'aise, Blaise. Les anges sont si agités. Cette partie est particulièrement chiante parce que c'est la dernière et vous allez comprendre. Mais il y a des chances pour que je meure. Il y a des chances. Là, je me retrouve dans le noir. Vite, au secours. Dépêche-toi. Merci. Je sais plus où faut aller. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je... Là, je sais plus. Je sais plus du tout. Non, j'en viens. C'est pas là qu'il faut aller. Là. Je suis dans le noir, au secours. L'hippocampe ne me suit pas. Ça me va bien. Retourne au bateau pour moi. Eh ben, on s'en est bien sorti, hein? Merci, Alice. GG à moi-même. Cherchez le bien comme vous l'avez fait pour nous. Levez l'ancre, moussaillons! Le large et la gloire nous attendent! Et bien maintenant, allons au spectacle du charpentier et des moules. Et des huîtres. Et des moules. C'est pareil, ça vit dans des coquillages, c'est la même chose. ici, là, ouais, là derrière la croix, derrière la tombe, petite serrure, on va y aller, on est à côté. Non, on va pas y aller. Vous le ferez vous-même. Je me souviens de cette épreuve qui est particulièrement
douloureuse. Donc vous le ferez quand vous jouerez. Voilà. Je vous laisse cette surprise. Ah, on entend le train. Qu'y a-t-il ici? Un secret? Non, juste des coffres. Mais avec plein de dents en or. Attendez, ça me paraît le bizarre quand même qu'il y ait un truc à briser. Ouais, non. Bon, que des coffres. Ok. Oui! Ah! Ah! Un toboggan! Eh, j'ai bien négocié le virage, hein. Eh, je me suis pas brûlé les fesses non plus, hein. Ah, non, mais respect. Ah ouais! Ça, c'est The Big Boss, ça. C'est The Big Boss des ruines. La ruine colossale, là. Elle est immonde, celle-ci. Alors, vous m'avez vu la voir, là, en deux coups de cuillère, c'était fini. Mais en vrai, à ce niveau-là du jeu, vous n'avez pas la bombe théière. Donc, du coup, même vos armes ne sont pas très fortes. Vous les avez un petit peu développées, mais elles ne sont pas si fortes. Donc ce qui fait que là, il faut impérativement que vous fuyez. Vous courez en fait autour là des rochers. Vous essayez de la canarder avec le poivrier aussi longtemps que vous pouvez. Et après, elle finit par disparaître. Ici, on a une serrure qui cache quoi ? Qui cache une salle radula. Voilà, vous le saurez. Si vous en cherchez une, il y en a là. Très vicieux aussi. On a un gros... Vous entendez? Il y a un groin de cochon. Mais où est-il? Eh bien, il est invisible. Ouais. Si les groins de cochon se mettent à être invisibles maintenant, ça va être compliqué. Hein. Et ça cache, je crois, une bouteille. Ouais, voilà, c'est ça. Une petite bouteille. Mais si vous visez le 100%, c'est intéressant de le savoir. Le chat. Il est où? Toute image raconte une histoire. Où il est? La fin n'est pas toujours heureuse. Mais la comprenons-nous bien? Bon, je sais pas où il est, le chat. Ah, il était là. Eh, vous entendez? Ah, mais c'est horrible, il est pas mort, il souffre. Ah, j'avais jamais fait attention. Ah, c'est horriblement glauque, donc on va s'en aller. Là, je sais plus. Non, je crois qu'il y a rien qui est caché. Hein. Ouais, non, il y a rien qui est caché. Donc on peut se rendre au théâtre. On va retrouver notre ami le poulpe, la bouteille poisson qui chante faux. Et c'est parti, je vous laisse avec la cinématique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au spectacle! L'entracte est terminé, je pense. Assez de préliminaires. Voici le numéro que vous attendiez. La preuve que je suis innocent et que je suis de très bonne humeur.
Lames et trônes sont vains quand le monde entre dans la danse. Travailleurs, juristes, marins, saints ont tous les mêmes chances. La mort imprévue fait partie de la vie. Il faut bien l'accepter. Bien peu ont un bonheur infini. Rien ne sera plus beau. Les plaies, le feu, les maladies, les meurtres, noyades ou incendies, les chutes du haut des escaliers sont imprévisibles. Il faut oublier. Je travaille sans une seule pause, dur toute la journée. Après la danse, je me repose. Le repas peut commencer. C'est l'heure de manger. Nous sommes tous égaux devant la mort. Et nous sommes tous comestibles. En avant, créature, doudou, tout le monde sera servi. Ça alors? Un festin en plein destin incertain. Je ne suis pas votre ennemi, Alice. J'ai tenté de cacher toutes ces merveilles à ce monstre. Répit de courte durée. Chacun joue son rôle. Êtes-vous pion ou reine? Idiote ou vol allié? Quelle qu'en soit l'issue de cette bonne farce, il est possible que vous soyez le dindon. Alors, pour qui? Oh non! Qui a mis ce maudit train en marche? Et d'où vient-il donc? Il est arrivé en même temps que vous! Il est bien plus terrible que vous ne vous pourriez l'imaginer. C'est un tueur de rêve! Il n'y a que le monde ici qui doit savoir comment. Le sang dans ma bouche est amer. Nourrice, où est la brute qui m'a frappée? Le vaurien rôde dehors. Il est en vie, hélas. Que voulait-il? Ce qu'ils veulent tous, l'argent qu'il n'a pas. Pourquoi es-tu allé te fourrer là-dedans? T'aurais pu être tué. Nourrice, ma tête explose. Des visions terribles me hantent. Je dois savoir. Au sujet du feu, encore cette histoire. Tu dois oublier, Alice, et moi aussi. Bon, au moins ne parle-t-elle plus de cet asile. Mon passé est mort, je les ai tués, j'aurais dû les sauver, j'aurais dû mourir. Elle en perdait totalement la tête. Radcliffe pensait que des têtes connues l'aideraient. Un an plus tard, ce sale type s'est désintéressé de son héritage. Il lui posait toutes sortes de questions. Ça n'a fait que l'affoler, la pauvre. Et la démence ne sert d'excuse qu'aux meurtriers. Quand elle ne commettait pas, elle crisait, les yeux révulsés. Elle bavait, poussait des cris stridents. Sans jamais articuler de paroles. Comme l'enfant qu'elle était, elle gardait ses secrets. Pickpocket et rôdeur, aussi nombreux que les cafards. Ces pauvres mômes sont la proie des pervers. Comme les fourmis sont les proies des guêpes, et les mouches sont les proies des araignées. Vous avez vu ma chambre à Rutledge. Que faisiez-vous? Tu t'en souviens. Radcliffe m'a payé, quelque temps. Une femme seule doit parfois faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Mais tu le sais. L'infirmière Whitless a dit que les temps étaient durs. Je ne bois pas comme elle. Je ne fais pas de mal. Je me prostitue, c'est tout. Certes, Nourrice. Elle a aussi dit que vous aviez peut-être mon lapin. Nourrice, parlez-moi de... De ce maudit feu? Ça ne sert à rien. Écoute, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Radcliffe a écrit le rapport d'enquête. Allons le voir. De plus, il a ton stupide lapin. Tu devrais le savoir. D'accord, mais Monsieur Radcliffe n'est pas doué. Je le sais bien. Bien! Et cela va nous permettre de conclure à ce chapitre sur les huîtres, le charpentier et le morse. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour avoir la suite de l'aventure. Et on a déjà appris 2-3 petites choses en plus là, hein, donc ça commence un peu à se mettre en place. Et voilà, on voit que Alice, visiblement, il y a des choses quand même pas très nettes qui se sont passées par rapport à son passé, c'est ce qu'elle veut dire. Donc on va essayer d'explorer ça pour savoir exactement le fond de la vérité. Je vous donne donc rendez-vous dans la 3e partie de Alice Madness Returns. Sur ce, prenez soin de vous.